Bonsoir. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir au nom de l'association Alors on le fait pour ce concert d'Ethnophonique 6e édition. Alors, qu'est-ce que c'est Ethnophonique ? C'est d'abord une formation internationale qui est soutenue par le programme européen Jeunesse Erasmus+. C'est aussi 20 musiciens qui viennent de 9 pays. Alors, je vais essayer de vous les dire tous sans regarder mon papier. Défi. Il y a la Belgique, la Croatie, le Portugal, l'Italie, la Suède, l'Estonie, le Chili. Oh, c'est dur, je sais plus. Voilà. Qui est-ce que j'ai oublié ? L'Ukraine et la France. Bah oui, forcément. Forcément. Ce qu'il faut que vous sachiez à propos de ce projet, c'est que les musiciens que vous allez voir sur scène ce soir, il y a 10 jours, ils ne se connaissaient pas. Ils sont venus chacun de leur pays avec un morceau à partager avec les autres. Ils se le sont appris mutuellement. Et puis, ils ont créé l'orchestre éphémère qui va se présenter en concert devant vous ce soir. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que les morceaux, ils les ont tous appris par l'oreille, ce qu'on appelle. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y avait pas de partition. Ils ont joué les uns devant les autres et ils ont appris comme ça. Ça, c'est le processus qui porte le concept d'ethno, en fait. Et ce qui est très important, en fait, dans ce projet aussi, c'est que c'est un projet qui est international, évidemment, mais ce qui est important pour nous, c'est que ça résonne au niveau local. C'est-à-dire que la rencontre avec vous, avec tous les gens qu'on a pu rencontrer précédemment dans ce projet, parce qu'on s'est pas mal déplacé en Essonne, on a fait des masterclass, des petits concerts conviviaux, plein de choses comme ça. Pour nous, ça reste essentiel. Ça servira à rien si le groupe il était fermé sur lui-même et qu'il pouvait pas venir vous rencontrer à un moment. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est que la musique ici, c'est notre outil pour se rencontrer. Donc, on espère qu'on va bien se rencontrer avec vous ce soir. J'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir à regarder ce spectacle, autant que nous, on a eu de plaisir à partager ces moments pendant les 10 jours qui viennent de se passer. Si jamais vous avez envie de soutenir notre association, à la sortie du concert, vous trouverez, on vend des CD, des derniers événements, parce qu'en fait, comme celui-là, on vient de le créer, on n'a forcément pas pu l'enregistrer et sortir le CD. Mais ils sont tous aussi bien, les projets. Ce n'est pas forcément les mêmes pays, mais voilà, n'hésitez pas à venir nous soutenir. Je voudrais remercier toute l'équipe de la MJC qui nous a accueillis. On est content de venir ici parce qu'on a fait plusieurs projets dans cette maison qui est un peu, du coup, on se sent un peu chez nous. Et ça, c'est super agréable. Et une dernière chose, c'est on aimerait dédier ce spectacle à un de nos amis qui s'appelle Aki, et sans qui ces projets aujourd'hui ne pourraient pas avoir lieu. Voilà, je vous souhaite un bon spectacle, et si vous avez envie qu'on discute à la fin, eh ben, n'hésitez pas à venir nous voir. Bonne soirée! Fateci largo che passamo noi, sti giovanotti de sta Roma bella. Siamo ragazzi fatti col pennello e le ragazze famo innamorare.
ragazze famo innamora. Ma che ci frega, ma che ci importa? Ragazze famo innamora, ma che ce frega, ma che ce importa, se il nostro vino ci ha messo l'acqua. E noi è dimo, e noi è famo, ci ha messo l'acqua, non ne paghiamo. Che per fare una canzone ci vogliono tante cose, non bastano le note, sì, le note sono importanti, però serve amore, servono persone, cose da raccontare, e noi ne abbiamo tantissime di cose da raccontare. Noi a Roma ci si mette dentro una taverna. Ethnophonique numéro 6 de cette année. Et donc du coup, moi je suis français, je viens de Palaiseau, donc c'est pas très exotique, mais il y aura des gens un peu plus exotiques plus tard. Du coup là, vous venez d'entendre un morceau italien qui nous a été proposé par Elisa ici, qui s'appelle La Società dei Manaccioni, qui est en fait un morceau italien traditionnel que les chanteurs, enfin que les travailleurs après leur boulot chantaient en allant dans les bars, draguer les filles et faire la fête, tout simplement. Ensuite, on va vous jouer un morceau estonien, qui est en fait un morceau de danse, une danse populaire, un morceau qui s'appelle d'une danse qui s'appelle le Labaialg. Labaialg, c'est un peu compliqué pour moi. Et ensuite, on va vous jouer. J'ai un bug. On va vous jouer un morceau de France. Ouais, c'est ça. Un morceau français. Voilà, une ronde du Quercy. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est en revenant du travail, les hommes qui se mettaient en ronde avec un meneur. C'est un chant à répondre, voilà, vous verrez. Et puis, bah voilà, bonne soirée.
Mesdames et messieurs, la prochaine chanson nous vient de Chili. Elle s'appelle Yanapanakuy, un mot quechua que veut dire entraide. Ernesto de Chili, il y a quelques années pour remercier un ami qui l'a aidé sans rien entendre à retour. Après, nous avons deux chansons d'Italie. La première s'appelle Te voglio bene assai. C'est une sérénade écrite par Raphaël Sacco en 1835. La seconde chanson s'appelle Pescheri, une composition méditerranéenne pour guitare seule. Cette fois-ci, elle sera jouée en trio avec un violon et cajon.
Thank you.
Salut, je suis Pedro de Portugal et je vais essayer mon français avec toi. USA, c'est un morceau traditionnel américain qui parle de John Brown, un abolitionniste qui était contre l'esclavage. Le morceau vient de Montagne de l'Est. Le morceau du Portugal est un medley qui mélange un corridinho du sud du Portugal, qui est une danse traditionnelle avec un fado habituellement appelé mariquinha. La troisième chanson s'appelle Biro Senza Inquinostro et a été écrite par Elisa. Elle parle de deux amants qui vivent dans deux villes différentes, mais qui continue à s'aimer malgré la distance.
Ci sono notti
in cui non sei qui e sono sola in assenza di gravità. E poi penso che starei un po' meglio se non fossi mio, non lo fossi stato mai. Ci sono notti in cui io non son lì e penso che sia più facile così, senza vederti ogni giorno e pensare che non basta. E poi sarei vino senza inchiostro, come vino senza mosto, come l'acqua senza un posto dove andare a riposare e a pensare ai nostri giorni, mano nella mano, e quelli che ancora noi non conosciamo. Faccio ancora scelte giuste e penso alla mia vita e alle mie note, ma poi a chi canterei le mie pazzie se non a te, che sei l'unico pazzo come me, che sei l'unico come me. E poi sarei vero senza inchiostro, come vino senza mosto, o come l'acqua senza un posto dove andare a riposare e a pensare ai nostri giorni su questo palco illuminato e quelli che ancora noi non conosciamo. Vous allez maintenant entendre une polska, qui est une danse traditionnelle suédoise qui vient de Dalarna en Suède. Elle s'appelle Fout Marit Leken. La deuxième chanson est une set de quatre polkas estoniennes. Et la chanson croate s'appelle Sivisokol et vient de l'île Mljet. C'est une chanson d'amour qui parle d'un faucon gris qui va dans un château pour retrouver son amoureuse. C'est tout.
De France, et c'est une danse qui s'appelle la bourrée à trois temps. C'était surtout joué par des violoneux dans le Massif central, et la chanson parle d'une jeune fille nommée Marion qui pleure car son amant est parti pour toujours avec une autre fille. Après France, on va partir avec une chanson ukrainienne qui vient des montagnes Carpates,
de l'ouest d'Ukraine. C'est une combinaison entre une manière de chanter traditionnelle et une danse masculine. Bonne écoute. Thank you.
con le cotton suvate. Ha votato colome che le cotton suvate. Colome che sa scrivate, colome che urate. Ha votato colome che le cotton suvate. Colome che Nous sommes venus à la fin du concert. Oui. Le dernier morceau, chanson, s'appelle O Entrulo. C'est une chanson portugaise qui parle du carnaval, spécialement dans les montagnes au nord du Portugal. Traditionnellement, cette musique est jouée avec une cornemuse typique de cette région et on appelle ça une gaida. Thank you.
Thank you.
invece largo che passiamo noi. Sti giovanotti de sta Roma bella, siamo ragazzi fatti col pennello, e le ragazze famo innamorà, e le ragazze famo innamorà. Ma che giornata, ma che giornata. Largo che passiamo noi, sti giovanotti di sta Roma bella, siamo ragazze fatte col pennello, e le ragazze famo innamorà, e le ragazze famo innamorà, ma che c'è frega, ma che c'è porca. Ma non ci piace.